Là, on est vraiment sur ces routes que j'adore parce qu'elles parlent le langage précis du relief. Quelle relation on a au pays ? On se demande. Il faut faire fonctionner quelque chose qui a été déréglé dans les années 60. Si l'homme n'est pas capable de vivre en harmonie avec les plantes et les oiseaux, je ne peux pas accepter ça. Les petits cours d'eau sont importants parce que c'est souvent la pépinière des grands cours d'eau. Le réseau hydrographique joue un peu la même partition que les routes. Il n'y a plus de vie là, c'est fini. Les chemins sont supprimés purement et simplement. Vous imaginez en haut l'étirement des réseaux qu'il faut pour alimenter 5 ou 6 maisons. Après le territoire, on peut être voisin et pas s'aimer. Qu'est-ce qu'on va faire dans 5 ans, dans 10 ans, si c'est juste pour assembler des groupes géographiques? Aujourd'hui, le résultat, il est palpable. On est tous là autour d'une table en train de discuter à peu près sereinement d'enjeux, d'objectifs et de ce qu'on veut faire de ce territoire.